Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour à vous. Soyez les bienvenus encore ce matin sur cette plateforme de prière. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Quelle joie de vous retrouver encore ce matin. Je sais que vous avez passé une merveilleuse et excellente nuit. Parce que nous passons la nuit sous la protection et le contrôle absolu de l'Esprit de Dieu. Merci ce matin, Saint-Esprit, de nous avoir donné la vie au nom de Jésus. Ce matin encore, c'est un nouveau jour. La Bible déclare que voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse et de réjouissance. Tu vas élever ta voix ce matin. En même temps que moi, tu vas commencer à bénir ce Dieu des cieux. L'alpha et l'oméga, le créateur de toutes choses, le Dieu très saint. Papa, nous t'honorons ce matin. Jésus, nous te magnifions, nous t'exaltons, notre Dieu et notre roi. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Toi qui nous permets de nous tenir devant toi pour élever la voix vers toi ce matin, reçois la gloire. Merci pour le souffle de vie que tu viens de renouveler à nous. Merci pour ta grâce que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, de vivre pour toi, ô Père. Nous te magnifions. Tu nous as gardés, tu as gardé nos familles, tu as veillé sur nos familles. Nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté et honoré dans le nom puissant de Jésus. Père très saint, ce matin, nous te disons merci. Merci Seigneur mon Dieu pour ce merveilleux jour de ta création. Merci pour nos familles, nos nations, nos membres de nos familles, de près comme de loin. Merci pour le travail que tu nous aides de nous donner, ta protection que tu nous donnes tous les jours. Nous te rendons gloire pour cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Mon Jésus, Jésus sur le trône, je fléchis les genoux. Je fléchis mes genoux ce matin pour t'adorer, toi seul. Alléluia. Nous fléchissons les genoux de nos cœurs. Nous fléchissons les genoux ce matin pour te rendre gloire et honneur. Toi qui vis pour des siècles et des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, ce matin, si tu as ta Bible, dans le nom de Jésus, tu ouvres ce passage dans le livre de Ésaïe 25, le verset 7. Alléluia. Ésaïe 25, le verset 7 déclare ce matin, Makorobo, Rekatorobo, Shantarababa, Remakorobo, Shintarababa. Il dit, sur cette montagne, il en est-il le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages dans le nom de Jésus. Ce matin, tu vas commencer cette journée de prière en prenant autorité, sur les plans démoniaux de l'ennemi, en établissant les paroles de décrets ce matin dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare qu'il y a une voile qui couvre la nation. Tu dis ce matin, Père, tout voile dans sur cette nation dans laquelle je me trouve, que l'ennemi a envoyé pour couvrir, afin que les enfants ne soient pas vus, afin que les enfants ne possèdent pas leur possession. Toi, voile partout où tu es ce matin, j'envoie le feu te consumer au nom de Jésus. Libérons le feu ce matin de consumer les voiles maléfiques dans la nation, les filets des sorciers dans la nation, les voiles dans nos quartiers que l'ennemi met. Ta maison ne peut pas être reconnue par tes ennemis de destinée. Ton lieu de travail ne peut pas être reconnu par tes dés de destinée parce qu'il y a un voile que l'ennemi a envoyé pour voiler. Ce matin, le feu consume ces voiles au nom de Jésus. Tout voile au nom de Jésus-Christ d'Adresse sur mon quartier, dans le nom de Jésus, sur ma maison, sur ma vie, dans cette nation dans laquelle je me trouve au Sénégal. Papa, je prends autorité ce matin. J'envoie le feu contre ces voiles dans le nom de Jésus. Les voiles maléfiques, les voiles démoniaques, les voiles de la sorcellerie que les sorciers envoient, papa, pour voiler et pour ne pas que nos dés de destinée nous localisent en cette journée. Père, je libère le feu du Saint-Esprit ce matin de consumer ces voiles. Toi, voile, tu
es consumé. Toi, voile maléfique, tu es consumé. Tu es maléfique, tu es spirituel. Le feu te consume ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, remets ta journée dans la main de Dieu. Les déclare que 1000 va tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite. Cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Déclare la parole de Dieu ce matin. Déclare que ton aller sera béni, ton retour sera béni. Ta famille est sous la protection divine de Dieu. Tout ce que les sorciers ont programmé pendant la nuit, Père, nous déclarons que cela n'arrivera pas. Comme la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 7, le verset 7, qu'ils ont déclaré des choses, mais cela n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous prenons autorité dans le nom de Jésus contre les esprits maléfiques. Tout programme de l'ennemi concernant notre vie en cette journée, nous les détruisons par le feu. Nous remettons notre journée entre tes mains. Que notre aller, notre retour, oui Seigneur mon Dieu, soit béni par toi ce matin au nom de Jésus. Nous déclarons que la bénédiction de Dieu repose sur nos vies. Cela repose sur la vie de nos enfants. Cela repose sur toutes nos activités dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, c'est merci pour nos nations ce matin. Prions ce matin pour nos nations. Prions pour nos autorités. Que l'Éternel nous donne la grâce de prendre des bonnes décisions qui vont glorifier Dieu dans nos différentes nations. Papa, ce matin, je lève l'autorité sénégalaise. Je lève toutes les autorités en Afrique. Oui, étatique vers ton trône de grâce. Je prie ce matin que ta bonne main soit sur leur vie. Que tu leur donnes la grâce, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de prendre des décisions qui vont glorifier ton nom dans nos différentes nations, dans le nom de Jésus. Nous remettons la nation entre tes mains. La Bible déclare que tu es ce Dieu qui renverse les destins des mondes des ténèbres dans la nation. Dans les carrefours stratégiques ce matin, nous détruisons les incantations qui ont été faites la nuit. Nous détruisons les sacrifices qui ont été faits la nuit. Au nom puissant de tous les démons qui ont été libérés, qui sont en mission en cette journée, nous les paralysons, nous les déprogrammons au nom de Jésus. Et nous déclarons que leur mission est annulée par la puissance du sang de Jésus. Leur mission est annulée au nom de Jésus. Annule les missions de l'ennemi. Papa, nous annulons toute mission de l'ennemi concernant ma famille, ma propre vie, concernant mes frères et sœurs, concernant ma famille, concernant mon église. Je les paralyse ce matin. J'annule ces missions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, nous enlevons ta main dans notre journée. Satan, nous enlevons ta main dans notre journée. Tu ne réussiras pas en cette journée. Quel que soit ce que tu as programmé, cela est déprogrammé ce matin au nom de Jésus. Maintenant, tu pries que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta nation, sur ta famille, sur ton église, sur la vie de ton pasteur, sur la vie de son épouse, sur la vie de ta congrégation dans laquelle tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin, nous relâchons les cieux ouverts. Que la pluie de l'abondance soit libérée de la part de toi, de la part de l'Éternel des armées. Papa, dans nos différentes nations, sur nos églises, sur la vie de nos pasteurs, sur la vie de leurs épouses, au nom de Jésus, la congrégation dans laquelle nous sommes, que les écluses des cieux s'ouvrent et que la bénédiction de l'Éternel soit libérée, ô Père, que tu arroses nos nations. Seigneur, arrose nos nations, enlève la pauvreté, la médiocrité, la mentalité démoniaque et satanique qui est dans la nation, qui, papa, qui contrôle la nation, que la puissance du Saint-Esprit enlève ces choses ce matin au nom de Jésus. Père, nous bénissons ce matin les familles dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons les familles ce matin. Que chaque famille soit bénie. Papa, c'est vrai que tu as dit que les familles seront bénies en Abraham. Que la bénédiction d'Abraham repose sur les familles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous te bénissons. Roi des rois, nous te rendons toute la gloire. Nous magnifions et exaltons ton nom parce que tu es vivant et tu es réel. Que ton nom soit glorifié ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons toute la gloire. Seigneur mon Dieu, nous voulons soumettre, ô Dieu des cieux, les églises ce matin vers ton trône de Dieu. Ô Papa,
Tu as dit que tu as bâti ton église et que les portes de ces yeux de mort ne prévaudront pas contre elle. Ce matin, nous proclamons et déclarons la parole de Dieu que les portes de ces yeux de mort ne prévaudront pas contre le corps de Christ dans cette nation et partout dans le monde. Quel que soit l'agenda que l'ennemi a par rapport aux églises, Seigneur mon Dieu, dans le monde entier, je me tiens dans le sang de Jésus et de me dresse contre ces plans ce matin. Je les détruis. Je les abats, je les anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute arme forgée contre nos vies, contre la vie des membres de nos familles, contre l'église de Dieu, au nom de Jésus, les serviteurs et les servants de Dieu, toute arme forgée contre leur vie, Père, je déclare ce matin que cela est annulé et que cela sera sans effet dans le nom puissant de Jésus. Sois béni ce matin pour ta grâce et ta fidélité. Nous te rendons toute la gloire pour ce que tu es pour nous. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit exalté ce matin au nom de Jésus. Papa, nous voulons nous rappeler des âmes ce matin. Père, nous libérons les âmes partout où les âmes se trouvent. Nous détruisons les forteresses qui les retiennent en captivité par la puissance du sang de Jésus. Et nous te disons merci parce que les âmes seront sauvées et ton nom sera glorifié au nom de Jésus. Que ton royaume vienne, Seigneur, et que ta volonté se fasse dans nos nations, dans nos vies et dans nos églises, oui, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Dans le nom de Jésus, excellente et bonne journée à vous, dans la joie et dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus. Amen.